Ok. Mes outros sont géniales. Oh. Ah oui, c'est vrai, on a récupéré un nouveau démon. Je l'ai pas testé du tout. Oui, alors si, il y en a un qu'on doit tester absolument. Il est où? Parce qu'on avait récupéré l'esprit de. Bah, l'esprit, le démon qui accompagnait en fait Cujo. Alors du coup, est-ce qu'il est genre badass ou est-ce qu'il est genre nul à chier? On va voir. Donc il est armé d'un bouclier en plus. Demon. Putain, elle a encore éveillé une compétence, c'est pas vrai ça. Elle est tellement forte. Oups, c'est par là. Ouh, c'est la frappe montante. Valorisation augmente la puissance des compétences. Ah ouais, en plus elle a encore 5 points de compétence. Po, po, po. Esprit tranquille. Ah oui, ça on l'a déjà. On va augmenter les compétences, hein. On y va, on y va. Pour annuler attaque pour annuler le délai après un changement, ok. Des chances de tuer instantanément quand les attaques atteignent un ennemi ne sait que lors de manifester, ok. Oui, enfin ça peut être mortel ça, du coup c'est cool au sens propre comme au sens figuré, du coup ouais, du coup ouais, ok. On va essayer le nouveau là, malheureusement il sera que rang 1. Alors ok, donc déjà il est plus lent. Ah, bien par contre, on a un bouclier. Donc ça c'est top. Donc ça c'est sa capacité. Oh, ça va être particulier, hein. Il va falloir, à mon avis, un peu l'augmenter. Alors, la figurine des Luigi, elle est là depuis toujours. C'est un truc que j'ai depuis très longtemps. Et l'épée aussi, elle était là lors des derniers lives, donc t'as pas dû faire gaffe. C'est ici que Soju est venu avant de se transformer en diable de la nuit. C'est plutôt désolé. Qu'est-ce qui l'a conduit à une telle haine? Eh bien, il a été expulsé du royaume malgré le fait qu'il appartenait à la lignée. Ça peut être un début d'explication. Vous pensez que c'est lui? Ah, par contre, la carte m'indique qu'il y a un autre esprit! Ben non, mais attends, mais on vient juste. J'ai même pas encore eu l'occasion de tester le nouveau! Pourquoi vous m'annoncez qu'il y a un autre esprit à côté? Ben ouais! Regardez! Attends, y a... Oui, bah si, il y a un truc là. Ah, non, j'y ai pas accès encore, autant pour moi. Dialogue. Je savais que j'aurais pas dû switcher. Hey, toi, depuis combien de temps vis-tu ici? Est-ce que les noms de Soju ou Diable de la Nuit te disent quelque chose? Le diable de la nuit, voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis des siècles. Tu le connais? Tout le monde le connaît. Ne le connaît-il pas? J'ai entendu dire que c'est ici qu'il est né. C'est ici. Il n'était qu'un petit garçon. Mais un feu brûlait en lui. On pouvait le voir dans ses yeux. Maintenant, je dois dormir. J'ai besoin de repos avant qu'il n'arrive. C'est qui, il? Ce n'est pas ton problème. Juste une dernière question alors. Sais-tu qui a causé sa haine? La source. Il me semble qu'il avait déjà tué quelqu'un avant d'arriver ici. Mais je ne m'en souviens plus vraiment. Suka. Nous devrions faire un tour dans le coin.
Avec un peu de chance, nous en apprendrons un peu plus sur les diables de la nuit. Bonne idée. Alors, il y a un truc pour changer. Ouais. Bah attendez, si on va l'utiliser. On va l'utiliser, on va l'utiliser. Ça va révéler la zone comme ça. La limite du voile s'efface. Très bien. Ça sent l'esprit à deux lames, ça. Du coup, ça fait encore un esprit. L'âme du démon Rigan résonne en Kagashi. Et il devient son gardien. J'ai pas eu le temps de voir à quoi il ressemblait. Ok. Un démon qui se comporte avec naturel sur le champ de bataille. Malgré l'éducation qu'il a reçue, Rigan a bon cœur. Il garde des souvenirs lointains d'une chaleureuse main tendue dont il s'est détourné. Rigan utilise la vitesse comme arme pour vaincre ses ennemis en les écrasant avec des attaques rapides. Ses roulades d'esquive et ses contre-attaques rendent son style de combat très technique. Écoutez, je crois qu'on va encore y avoir du changement parmi les démons d'un groupe. Bon, Aisha, je suis obligé de la garder, c'est ma plus forte. Ça, il n'y a pas photo, je suis obligé de la garder. Zev, sur les derniers, m'a... Je sais pas s'il est vraiment utile. En fait, il faudrait que je voie pour améliorer les armes. Ouais, tu sais, Rigan. Tendinaire décontracté devient agressif au combat. Gargouille. Faut que je regarde aussi les équipements. Il faut que je regarde. Il faut absolument que je regarde. Je sais que j'ai récupéré plein de trucs. Bon, lui, j'ai rien. On va tous les faire, hein, désolé. Oh là là, elle a une nouvelle épée. De dégâts. Pouah, pouah, pouah. Qu'est-ce que t'as, toi? Bah ouais, j'ai Tristan maintenant. Drop de pierre d'âme. Point de rupture affinité. Par contre, ça me fait baisser. Chance coup critique. Ah ouais, non, il va falloir vraiment que j'aille la boutique créer des armes. Hein. Bon, elle a rien. Ah si, elle a eu cactus 64. Wow. Après, on a vu que c'était pas ouf. Enfin, elle est stylée, mais on peut pas trop l'améliorer. Enfin... Pas trop la meilleure qui se raconte. On peut pas trop se déplacer pendant qu'elle attaque, c'est un peu chiant. Rigan, est-ce qu'on avait trouvé des armes pour lui? Non, parce qu'on vient de l'avoir. Dia, est-ce que Dia avait... Oui. Ah oui, bah voilà. Bah aussi, je trouvais aussi qu'on faisait pas. Que les combats de boss duraient longtemps, mais c'est normal. Je pense pas à mettre des meilleures armes. 13, est-ce qu'il a eu des meilleures chaînes? Non, il est toujours sur ses douleurs. Ça, c'est bien. Et Zephyr, oui, Zephyr, je sais que j'en ai eu d'autres. Cœur de fer. Bon, on avait déjà les meilleurs. Ok. Nouvelle cinématique, décidément. Tu te souviens de quelque chose? Je vois. Continue à chercher alors. Je vais continuer à chercher alors. Désolé. Ça va, prends ton temps. Nous avons le passé du diable de la nuit juste devant nous. Je suis sûr que nous allons trouver quelque chose, dit-il. Merci, Kagashi. Tu as entendu ça? Ça venait de la colonie. Oh oh, mec, à bon masse. Reste là, fils, c'est notre combat. Oh bah ça va, il gère. Waouh. Tu sais, autrefois, c'était nous, les méchants. C'était il y a si longtemps que les détails sont flous, même pour moi. Seules ces pauvres âmes se souviennent de nous et de l'ampleur de notre crime. Ce sont les âmes de tous ceux qui nous avons tués. Elles ne peuvent pas traverser, et elles ne peuvent pas disparaître. Elles sont coincées ici,
gardant une rancune éternelle envers nous. Cette vie est tout ce qui nous reste, et nous allons passer le temps dont nous disposons encore à faire face à nos crimes. Oula. Je suis un gardien, je ne peux pas rester ici sans rien faire, à te regarder les bras croisés. Pif. Pif, pif, pif. Voilà. Ah non, c'est un combat de boss. Oh, putain, encore. On enchaîne les combats de boss. Par contre, je crois que, voilà, j'ai pas beaucoup de soin. Alors, je crois pas que c'était une bonne idée de changer de... Ah ouais, je fais que dalle. Ah ouais, on voit la diff. Mais ouais, c'est chaud. C'est vrai que c'est un peu embêtant le côté. Voilà, bon après, ça. Voilà, il y a le côté aussi où tu peux farmer, évidemment, et ça rajoute de la durée de vie. Mais c'est vrai que là, du coup, le fait d'avoir un démon. Un tout nouveau démon que je peux même pas tester alors qu'il y a un combat de boss, par contre, je vais y rester. Hein. Je vais clairement y rester. À moins que j'arrive à aller au truc de. Bah non, forcément. Allez, je vais y passer. Ah, ça sent clairement le sapin, c'est clair. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est ceux qui foncent qui sont chiants. Voilà. Merde. Non. Ah, on les empoisonne, hein. Je crois qu'on a toujours le bonus, hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a toujours le bonus. Donnez-moi du soin. Waouh, 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 waouh. On se calme. Ok. Ils étaient violents. Non mais... Je viens d'apparaître, mec. Le cave. Faut que je me débarrasse d'abord des minions. Ouh. Ouais, en plus s'il nous fait ça. Oh là là, j'ai encore évité mais je sais pas comment. Ok, là en vrai c'est un peu mieux. C'est un peu mieux déjà. On va attendre que celui-ci charge. Allez-y, chargez, chargez. Allez-y, allez-y. Oula. Ok, il y en a un en moins déjà. Ça c'est top. Aïe. Non, non, faut que je me calme un peu. Allez, tue-le, 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 tue-le. Sérieux? Voilà, ok. Plus qu'un. Le boss a pas l'air ultra résistant. Enfin, je peux me tromper, mais... Je connais pas son pattern quoi. On va passer dans le monde des morts. Tu peux pas me soigner? L'étourdissement, le recul et les autres réactions sont évitées. Bah putain, j'ai bien fait de switcher hein. Salaud! Putain, elle m'a soigné, mais par contre, dès qu'on le touche, voilà, c'est... Ah ouais, d'accord, ok, je vois le genre.
Truc bien relou. Ah mais même, en fait, dès que tu le touches, tu perds de la vie. D'accord. Normal. Non, non, non. Enfin, quand tu touches ces zones à pic, il... Allez, tombe, j'ai envie de le faire. Non, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Il aurait pas dû, il aurait pas dû. Bon, on est à la moitié, il y a moyen, en vrai il y a moyen, faut juste rester focus. Allez, tombe. Ah bah non, du coup il peut pas être étourdi lui non plus. Oh la vache, oh ok, c'est bon, elle me soigne. Mais c'est encore Aisha qui va tout faire quoi. Non, 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 non. Bonsoir Skull, excuse-moi, je suis concentré. Ah mais... Ah putain, t'es sérieux, j'aurais pas dû prendre les dégâts là. L'erreur, l'erreur, l'erreur qui va peut-être coûter. Ah le boss il est costaud hein. Bon, avec plus de soins ça marcherait mieux mais... Arrête de tourner. Du coup, j'ose plus le toucher. Voilà, quand il fait ça en plus. Il peut pas refaire les boules lumineuses, comme ça il est bloqué encore pendant un moment. Non, il veut pas. Ah si, il va le faire. Oh yes. Il faut que je sois concentré. Et tout à l'heure il bougeait. Non, non. Putain. Je peux pas l'approcher quand il a ses pics de merde là. Là il va spammer comme un gogol, je suis sûr. Il spam, il spam. Vas-y, spam. Fais la danse du ventre. Donc là je peux pas le toucher, là c'est bon, je peux le toucher. Oh putain. J'ai plus de soins, j'ai plus rien. Et l'autre elle me soigne pas quoi. Quand j'aurai ma furie normalement ce sera bon mais... C'est vrai qu'il est... Il est chiant quoi. Non, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ok, il va faire les tirs. Il va faire les tirs. Faut les esquiver. Oh merde. Bon, ça va. On est au milieu. On a le temps d'esquiver normalement. On a 90%. Ça va le faire. Ça devrait le faire. Là on va attendre parce que voilà, là il va se relever donc là j'aurais été, vous m'aurez touché. Putain il se remet en boule hein. Et il recommence, ok. C'est pas passé loin. Allez vas-y.
96%. Je fais tout avec Aisha, hein, mais Aisha est tellement forte. Il refait les tirs. Il refait les tirs, tant mieux. Oh putain! Oh putain! Non, non, non! Non, non, non! Ok, on a la furie. On a la furie. Alors, il va falloir bien choisir son moment. Allez, relève-toi, relève-toi maintenant. Bon, la furie, ça ne t'épuise pas tant que j'utilise pas mes techniques. J'ai moyen encore de lui encaler. Oui! Let's finish this! Tu es plutôt doué, mais tu manques de conviction derrière ta lame, tout comme lui, tout comme le diable de la nuit. Allez, reste avec nous. Ah, quelle odeur agréable. Est-ce une fleur? Oui, une linée. Il a toujours aimé ces fleurs-là. Il en cueillait chaque jour et pouvait rester un beau moment à les observer. Cela semblait le calmer en quelque sorte. Nous avons eu un sacré choc quand il est devenu le bourreau. Qu'est-ce qui l'a poussé à tant de haine? Aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Tu dis que le diable de la nuit aimait les linées. Mais je n'en vois aucune ici. Non, ici elle ne pousse plus depuis un moment. Peut-être plus loin, à l'orée de la forêt. Nous vérifierions. Puis-je dormir maintenant? Je suis tellement fatigué. Tellement. Oui, repose-toi bien. Il a payé ses crimes avec ses propres conditions. Mais c'était une façon affreuse de mourir. Je sais. Nous devons faire de ce royaume un endroit où ces tragédies ne se produisent plus. Allons-y. Nous avons affaire. Et level up, niveau 30. Ah, par contre, la zone, elle est big. Et par contre, j'ai plus de soins. Alors ça, c'est génial. Waouh! Ah, les boss, pas si évident que ça. Hein. Les trois derniers, là, on a un peu galéré à chaque fois. Mais il serait peut-être temps, vite fait, que je... Bon, si je pense que je vais profiter vite fait du voyage rapide pour retourner sur la carte du monde et retourner du coup au village pour vraiment créer des armes pétées. Parce que là, mes armes ne font pas du tout de dégâts. Et donc, c'était à Deto. Et donc, c'était près du point 2. Voilà. Je viens de déterminer les préparatifs de ma prochaine formule. Tu as une arme, n'est-ce pas? Voyons ce que nous pouvons faire avec ça. Amélioration d'armes. Donc ça, c'est l'arme qu'elle a actuellement. Alors, je peux l'augmenter comment? Ouais, en fait, je peux vraiment mettre n'importe quelle arme dedans. Ouh, tournesol. Ah oui, bah, tournesol, elle est géniale. Par contre, l'histoire de la hache... en vrai, la hache, j'ai dû louper un esprit, hein. J'ai aucun esprit qui a une hache. J'ai aucun démon qui a une hache. Et pourtant, il me propose les armes. Donc, potentiellement, dans un endroit, j'ai oublié un. Alors, je dois sélectionner des armes. Évidemment, il faut mettre des armes plus puissantes.
Donc les lauriers. On en a deux. Oups. Oups. Ça fait un plus 11, c'est tout. Si je fais. Ouais, non, ça change pas en fait. Ça ne change pas. Bah, améliorer, oui. Ah, je peux encore en mettre un. Ah non, on arrive au max, d'accord. On arrive au max, d'accord, ok. Oh, j'aurais aimé 69. Ensuite, Tristan, on va l'améliorer. Et on va mettre. Bah, je sais pas. On va mettre ça. On n'est pas encore au bout. Là, on est au max. Un plus 11 aussi. Ok. D'accord. On récupère des trucs en plus. Alors, gargouille. Ouais, alors, gargouille, je vais pas l'augmenter parce que c'est l'arme de base du démon. On vient juste de l'avoir. Pareil pour. Ah non, on vient d'avoir un nouveau bouclier pour lui. C'est cool. Ah, les chaînes de douleur. La douleur. Ah, on peut pas l'améliorer. Je peux pas améliorer douleur. Ah, je suis déception. Tu aurais aimé 69, mais. Allez. Monsieur, il en loupe pas une. Ben, c'est bien, au moins il montre qu'il écoute. C'est bien. Améliorer. Un plus 7, ouais, non, c'est pas ouf. Je vais équiper des ombres roches. Alors, il a 68, on peut lui mettre quoi? Attaque de base, augmente l'attaque. Alors, j'ai plein de trucs en fait. Augmente la défense lorsque les PV sont bas, rend plus résistant à la paralysie. Augmente l'attaque lorsque l'affinité est basse, augmente la défense lorsque l'affinité est élevée. Putain! Mais c'est bien ça. Ça, c'est très bon ça. Ensuite, Tristan, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Donc, Tristan, on peut lui en mettre deux. Chance de coup critique plus, on va lui mettre. Attaque compétence. Augmente l'attaque de compétence, ouais, attaque debuff, ouais, donc debuff c'est pas lui. Augmente l'attaque même si les dégâts sont aussi subis en attaque, en attaquant. D'accord, ok. Augmente l'attaque en fonction du temps écoulé depuis l'attaque précédente. Putain, il y a tellement de possibilités en fait. Ajoute, étourdissement, oui, étourdissement je veux, c'est bien. Le cactus, on peut lui mettre un truc. Bon, on va mettre attaque de base. Ouais. Les coups de poing. Alors Colisée, oui, on va lui mettre un truc. Attaque de base. Parce que bah clairement, pour l'instant, on l'a pas augmenté non plus. Les coups de poing, on peut lui mettre. Chance de coup critique plus. Le démon que tu as loupé, il s'appelle Ville. J'essaie de voir. Quand est-ce qu'on le chope? Ah bah je veux bien. Ça me dérange pas. Parce que bon, s'il me propose les haches, c'est que je dois l'avoir. Alors attendez. Je comprends pas là. Ah oui, il peut me créer une arme en. Ah oui, ah oui, ah oui, je valide. Moi je veux. Je veux, je veux. Bon, les douleurs, on en a plein. On va virer les douleurs. On est OK. Transformer. Non, transformer, oui. Du coup, il va me donner vampire. Oh, avec deux emplacements? Que demander de plus? Alors, vampire. Donc, vampire, c'est quoi la particularité de vampire? Lame tachée de sang donne une chance de récupérer des points de vie en attaquant. Bien, ça c'est cool. Assassin, augmente l'attaque en frappant de petits ennemis. Non, augmente en frappant de gros ennemis. Ouais, augmente l'attaque en fonction du temps écoulé. Poison, le poison, le poison. Assassinat, ajoute assassinat aux attaques. Je mets. Martyr, augmente l'attaque. Ok, non. Vitalité plus, oui. Soin plus, augmente le soin.
Succès déverrouillé, chercheur d'énergie et maître fabricant. Voilà, deux trophées pour le prix d'un, c'est cool. Et par contre, il va falloir que je trouve du soin. Et du coup, je pense que le deuxième épisode, donc l'épisode 9, s'arrêtera ici pour les VOD. Donc on partage, on like, on commente, comme d'habitude. Même si je sais que vous le faites pas, parce que vous avez pas les réflexes. Ça parle mal, ça parle mal. Mais bon, voilà, je pense que le deuxième épisode de ce soir s'arrêtera ici. Mais nous, on continue forcément. Il va être 22h30 tout de même. Donc je vais peut-être continuer un petit peu. J'aimerais bien au moins finir la forêt. Donc on va retourner à la forêt. On va retourner à la carte du monde. Et donc la forêt. On était rendu à Kirak, donc le village. Ok, il y a des choses. Une pierre universelle, c'est gratuit, c'est gratuit. Ouh, alors il y a quelque chose ici. Cinématique. Ou dialogue plutôt. On dirait qu'on peut passer à travers ici. Viens, Aline. Oh. Kakashi, regarde, des lignées. Tu as raison. On dirait qu'elles forment un chemin. Vraiment? Effectivement. Regarde-les. Elles ont toutes été plantées les unes après les autres en ligne. Je crois que tu as raison. Nous devrions suivre ce chemin. Il se peut qu'il n'y ait rien au bout, mais nous pouvons au moins voir jusqu'où il va. Ça me va. Nous verrons bien. Ah, qu'est-ce qu'il a fait à la musique? Pour l'instant, là, ils m'ont pas proposé de sortir mon âme, hein. Mon arme, pardon. Il considère que c'est une zone safe. Là, par contre, on peut. Alors, on a débloqué Rigan, donc avec ses lames. Donc, son pouvoir, c'est quoi de base? Oh, sympa, sympa. Par contre, on va t'équiper de vampires. Merci. Et on avait débloqué du coup Gavad ou Gavod, je sais plus c'est quoi. C'est quoi son nom? Gavod, oui, ok, Gavod. Il a l'air stylé. Alors maintenant, il finalement faut les augmenter. Non, esquive. Ah oui, le fait que je retourne dans la bulle, ça les réinitialise. Ok. Alors, effectivement, pour un niveau 1, il fait beaucoup de dégâts. Par contre, il est extrêmement lent. Oh ouais, non, mais il est trop lent. Il a un bouclier, toutefois. Ah, mais ouais, par contre, oui. Ça, moi, je valide. Là, effectivement, ça tape un peu plus fort maintenant. Ah bah oui, là tu prends tarif, mon gars. Aïe. Au lac sud, d'accord. Alors, attends, on va regarder. Oh, ah bah du coup, ouais, je suis vraiment passé à côté. Le lac sud. Lac Lude, pardon. Non, ça c'est les plaines. Plaine. Ouais, alors quel côté? Là ou là? Parce qu'il y a les ruines englouties. Ouais, mais. Après, effectivement, on n'a pas beaucoup visité ici, hein.
Bon, bah écoutez, on va devoir se refaire. La magie du jeu, tu te débrouilles, mec. Ouais. Ça va faire encore un démon que malheureusement, en fait, on va pas beaucoup utiliser, quoi. Non, par contre, là, on profite d'une zone où les mans sont moins puissants, donc effectivement, je peux profiter. On va y augmenter Regan. Ah ouais, par contre, en mode furie, il est monstrueux. Oh la vache! Il est stylé, hein. Il est stylé. Bon, ça c'est fait. Alors, je crois qu'on a récupéré une potion, oui, effectivement. Par contre, lui, c'est une roulade qui fait. Je suis pas convaincu par la roulade. Hein. Je préfère tout de même le dash ou le saut. Ouais. Surtout dans un jeu comme ça, en fait. J'ai toujours pas débloqué de points de compétence. Ouais, voilà. Bah, là, vous avez eu l'exemple assassinat. On récupère une potion. Ah oui, effectivement, j'ai même pas pu débloquer la zone ici dans le monde des morts. Non, non, c'est bon, on va se débrouiller. Ah, ça y est, il a gagné son premier point de compétence, enfin. Voilà, donc on en profite un peu pour farmer, hein, voilà, c'est... Esquive ! Et non, je suis dedans. Encore. Allez, donne-moi un point de compétence. Ski. Ah, attends. À mon avis, c'était dans l'autre partie. Je suis sûr que c'était dans l'autre zone. Ah, yes, l'assassinat qui passe bien. Parce que là... Ah, c'est bizarre, j'ai pas découvert la zone au milieu. C'est bizarre. Ah ouais, c'est chelou, ça. Pourquoi j'ai pas... Il y a un boss que j'ai pas battu, ici. Enfin, il y a un mini-boss que j'ai pas battu. Non mais c'est pas plus mal au final, c'est pas plus mal que tu m'aies pas dit, comme ça on augmente un peu les niveaux des démons, c'est cool. On récupère des armes en plus. C'est possible que j'ai pas tué un gros monstre. Ah oui, effectivement, on fait plus de dégâts de face, enfin, je crois. Oh, il me fait 17 de dégâts, il est mignon. Alors, combien de points de compétences je lui ai débloqué là déjà? Un seul point? Oh merde. C'est peu. Ah bah ouais, du coup, j'avais pas tué celui-là. Ah, du coup, est-ce qu'il serait pas là? Ouais, non, c'est bizarre, j'aurais eu un point vert sinon. Ah, ça y est, deuxième point de compétence. C'est ça que tu te rends compte aussi, quand ils sont pas entraînés pour qu'ils passent en mode furie, ça met v'là le temps. Oh, en plus on récupère des potions. Bon, écoutez, on va voir. Hein. Yes. Et là, ils vont me dire qu'il n'y a rien.
Putain, je suis sûr, y a rien en fait. Non, parce que tout ça, j'ai déjà exploré. Allez, va plus vite. Faire du point de sauvegarde. Non, bah non, là on arrive déjà dans une zone, ok. Ah, il commence à faire mal. Ouais, non, c'est bizarre. Où est-ce qu'il est, ce con? What? Non, mais non, c'est rien, c'est juste éclairage, je suis con. Je croyais que c'était un... Bon, Mordred, on en a déjà plein. Ah, c'est cool d'avoir mis assassinat sur cette arme. Aïe. Ah, donc ça devait être dans l'autre zone. Ça devait être dans les ruines. Ski. Oh, l'assassinat qui passe crème. Ah, je kiffe bien, je kiffe bien. Ouais, bah non, du coup, c'était dans les ruines englouties, hein. C'était dans les ruines. Ah bah attends, mais quand est-ce qu'on est allé dans ce truc-là, déjà? C'était l'épisode 4? Ah, ça remonte un petit peu, hein. Ouais, non, donc c'est pas ici. Bon, au moins comme ça, on refait le stock de potions aussi. Et un nouveau point de compétence. Alors, on va peut-être pouvoir débloquer une nouvelle capacité. Yes, alors. On va débloquer ça pour débloquer la compétence qui est juste à côté. On va peut-être utiliser une ou deux pierres universelles aussi. Alors, passion, retire-toi pendant que ton démon lance une attaque vicieuse. Des chances de paralysie. Ok. À côté, on a quoi? Rang 2, forcément, oui. Donc j'ai regardé aussi, alors ça je me suis juste enseigné, c'est par rapport au souvenir des démons. Il y en a 3 par démon. Pour l'instant, sur le serial, on n'en voit que 2. Enfin, sur l'arbre de compétences, je pense que le troisième, on l'a peut-être en faisant tout. A voir. On a passion et victoire. Ok. On va tester tout de suite. Ah oui! Et donc passion, c'est quoi? Oh, sympa! Et il me file encore une potion, ça c'est cool. Ok, donc c'est pas ici. Donc c'était dans les ruines englouties. Putain, il était... Non, mais c'est une blague, il était juste là. Mais non, mais comment j'ai pu le louper? Vous êtes en train de me dire que j'étais dans... Ah non, j'aurais dû le voir, normalement. C'est bizarre, sur la VOD, j'ai pas souvenir de le voir sur la carte. Ah, donc il est juste là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, non, mais là, j'étais totalement con. L'âme du démon, oui, résonne en Kagashi. Et il devient son gardien. Un démon joyeux qu'on apprécie tout de suite, même si ses relations passées l'ont rendu méfiant vis-à-vis des autres. Will garde de lointains souvenirs de vagabondage, une période de grande joie mêlée à une haine amère.
Capable d'écraser ses ennemis en imposant une solide défense, il a le pouvoir le plus offensif de tous les démons et il peut utiliser ses énormes haches pour bloquer les attaques. Précommande d'armes. Bonus de précommande titan obtenu. What? Ah bah ouais, mais du coup j'avais pas le démon. Ah mais. Oh bah oui, bah. Ah bah c'est. Oh là là. Non mais vous imaginez que l'arme de. Le bonus de précommande que j'avais. Oh non, pourtant je l'ai pas précommandé le jeu. On me l'a offert. Donc il y avait un bonus de précommande. Et c'était sur le seul démon que j'avais pas. Putain la veille. Non mais c'est de la merde du coup. Bon, par contre il est stylé, hein. Moi j'aime bien. On va l'équiper tout de suite d'ailleurs à la place de. À la place bah, de 13, hein. Désolé, 13, mais là j'en ai plusieurs augmentés en fait. On va sauvegarder d'ailleurs. Comme ça, on aura un peu farmé Regen. Et donc là, on va en profiter pour retourner. Non. Non. Voyage rapide, voilà. Le jardin éternel. Ah. Bon, bah, Kirag. S'il me laisse pas le choix.